chez moi ce soir de juillet, il y avait un homme mort dans le salon. Le lendemain, à l'aube, j'ai fait, comme on dit, le tour du propriétaire. Avec une attention particulière pour le potager, puisque j'y avais enterré le mort. Objectivement, on ne voyait plus la différence. Les mauvaises herbes venaient par là-dessus, prouver en somme l'honnêteté de mes tomates. En attendant l'heure de mon rendez-vous avec le médecin, je n'ai plus rien fait de patent. J'ai eu à me battre avec des pensées suffisamment pénibles, bien que tout ça évolua, s'installa, comme je l'ai indiqué. J'ai croisé un couple de voisins, des retraités, qui se tenaient par la main. J'ai encore croisé un enfant sur un tricycle, s'approchait de 9 h. Une mère avec une poignée de fleurs qui venait derrière, un type qui courait avec des écouteurs. J'ai récupéré dans un placard des conserves pour le soir. J'ai ouvert la télé sur une matinale à laquelle j'ai jeté un œil. Je suis allée chercher dans la dépendance une baramine qui n'avait jamais servi à rien. Je suis revenue avec dans le salon. Puis avec une extrémité de la baramine, j'ai fait exploser la tête du présentateur. Mais bien sûr que c'était un piège. Comme la Chine il y a 1 an et l'autre interprète du parti. La crise des subprimes et l'effondrement des banques, la chute qui s'en était suivie de l'industrie financée par le crédit n'avait fait que précipiter les choses. Toujours ce que font les crises. Il descendit Woodward et la remonta. Vint à 8 miles, revint vers le centre par Gresham et reprit encore Woodward à la recherche d'un bar. Grobille avait repéré une maison un peu plus loin au sud. Les fenêtres en aluminium avaient été arrachées. Ça s'abîme vite une maison quand il pleut à l'intérieur pendant des mois. Les choses, quand elles meurent comme ça, lentement, on dirait des gens. Écoutez battre son cœur, me dit-elle. Je quitte Lucie à l'angle de la rue de Hauteville et de la rue de Paradis. Nous sortons de la clinique Fernand Lamaze, à 2 pas de l'ancienne cristallerie Baccarat, devenue jardin d'hiver pour les plantes disparues en Île-de-France. Autrefois, on tolérait le bruit des bus et des voitures de livraison. Mais à présent, ce vacarme est oublié. Il n'y a que de faibles bourdonnements ponctués de cliquetis, tandis que les mouettes ricanent mollement en rasant les murs. Penché sur le berceau, je discerne dans l'ombre son petit visage, ses bras, ses mains. Première lueur du jour, les volets de la chambre deviennent gris clair, striés de lignes blanches. Près du berceau, le paquet d'ombre se dissout. Je distingue mieux les traits, paupières, nez, bouche, lobe des oreilles. Dans les allées des Tuileries, entre massifs de fleurs et fontaines, des femmes promènent des enfants fictifs. Elles sont trop âgées pour prétendre au clonage. Le visage de l'hologramme féminin est celui de ma mère. Vision ridicule, mais atroce. Je pousse un cri d'effroi. Chacun dans son nuage, sans rien voir au dehors, seul, sans nous comprendre jamais, nous fumons, visages agonisants dans un miroir. Nous sommes une image glacée à laquelle le temps donne l'illusion du mouvement, un cristal de neige glissant sur une pelote de givre, dont personne ne perçoit la complexité des enchevêtrements. Je devrais arrêter le disque. Impossible de me concentrer. J'ai beau relire ce tiré à part pour la 10e fois, je n'en comprends pas le sens mystérieux.
20 pages horribles, glaçantes, me parviennent précisément aujourd'hui. Aujourd'hui qu'un médecin compatissant a peut-être nommé ma maladie, a déclaré mon corps officiellement malade, presque soulagé d'avoir posé baiser mortel un diagnostic sur mes symptômes. Un humanisme basé sur quoi? Quel universel? Dieu qui se fait bien discret dans le silence de la nuit, entre les égorgeurs, les affameurs, les pollueurs. L'unité de la condition humaine peut-elle encore fonder quelque chose? Je n'en sais rien. Le savoir, peut-être. Le savoir et la planète comme nouvel horizon. L'homme en tant que mammifère. Résidu complexe d'une évolution carbonique. Un rot. Punaise. Il n'y a pas plus de vie dans l'homme que dans une punaise. J'ai vraiment existé à partir de l'usine, comme si je venais d'elle. Excuse-moi d'insister, mais c'est par elle, l'usine, que j'ai pu savoir, grandir enfin et devenir un homme. Ça n'a jamais cessé. Tout ce que j'entends, c'est l'usine encore, l'usine qui... On parle beaucoup de moi, on me célèbre, mais on parle beaucoup d'elle aussi. Comme si nous ne pouvions être séparés. Maintenant encore, il m'arrive de l'entendre alors qu'elle n'existe plus et qu'il n'y a plus rien. Que tout est mort. On ne peut pas me laisser tranquille avec l'usine. Tu ne peux pas. Jusqu'ici, on vient m'emmerder avec elle, monsieur. Rester vivant quand on ne travaille plus, c'est sur cette évidence qu'on doit s'accorder. Et on ne s'accorde pas. Jamais libre n'est la parole. Jamais égal. Alors, quel que soit l'âge, tu n'as plus de choix. Ta journée se passe sans surprise, sans décider de rien. Comme si tu n'existais pas finalement. Je ne distingue pas d'étapes dans ma vie d'ouvrier. Pour moi, c'est un tout. Et je ne mesure pas le temps passé sur les moules d'acier, surpris de me dire que j'ai plus de 25 ans de boîte. C'est beaucoup, 25 ans. Toute une vie de jeune homme. Rentré chez moi. Il y avait un homme mort dans le salon. Il était allongé sur le ventre. Je me suis placé devant la télé et j'ai fait exploser la tête du présentateur. Le soir tombé pour la première fois sur la ville. Les immeubles vides sans lumière. Les choses, quand elles meurent comme ça, on dirait des gens. Les gestes et les blessures. Le soir sur la ville. Les gestes et les blessures. Les mouettes. Pas plus de vie. Une punaise. Le visage de ma mère. Quelqu'un d'un homme. Une punaise. Les blessures. Les mouettes. Je suis quelqu'un qui travaille. Mort. Cristal de neige. Sur la ville. Mort. Une geste. Les mouettes. Mort. Qui travaille. Les mouettes. Ma mère. Une punaise. Blessure. Sur la ville. Les mouettes. Mort. Une punaise. Un homme. Blessure. Un cristal de neige. On n'en sort plus. On n'en sort plus. Je suis quelqu'un qui travaille. Mort. Cristal de neige. Sur la punaise. Ma mère. Sur la ville. Les blessures. Mort. Qui travaille. Les mouettes. Cristal de neige. Une punaise. De neige. Punaise. Mort. Je suis quelqu'un qui travaille.